Quand Sylvie est revenue, je me suis rendu compte des ravages que la drogue pouvait faire. Heureusement, le petit médecin qui fait un remplacement au village a l'air de s'y connaître. À Orléans, Alexandre regarde Jack se débattre pour éviter un scandale qui pourrait mettre la clinique de son beau-père en faillite. Odile, sa femme, s'y est mise aussi. Quant à Maurice, il aide Sylvie de tout son cœur. Ça lui permet aussi d'oublier Nicole, qui a réussi à monter cette fameuse société de travaux agricoles à façon. Jean-Claude Beaugrand, le riche conseiller général, lui fait les yeux doux à la Nicole. J'ai pas oublié ce qu'il nous a fait. J'étais voir le père Maugrand. Oui, ça l'amuserait que son fils se marie avec l'ex-femme de Maurice. Quant à Sylvie, elle ne se sent pas en sécurité. Elle a toujours peur que les voyous la retrouvent. Elle avait bien raison. Ils sont venus, ils m'ont attaché, cuisiné, mais j'ai rien dit. Attends, je viens avec toi. Non, non, c'est pas la peine, t'inquiète pas, je vais les retrouver. D'accord, bon, alors demain à la cabane. D'accord, oui. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? T'es toute seule? Oui. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Il est arrivé, il m'a menacé, je l'ai tué. Quoi? Oui, je l'ai tué. J'en regarde pas, là. Oui, je sais, c'est pas très beau de tuer un homme, mais... Mais tu sais, rien ne serait arrivé si j'avais eu le courage d'empêcher Alexandre de te mettre à la porte il y a 10 ans. Voilà. Bon, ben maintenant, ça me regarde. À ce moment-là, il va falloir que vous m'aidiez, puis tous les deux. Tu sais, Sylvie, je voulais te dire que... Si tout se passe comme je pense, eh ben demain, tu vivras libre. Libre. Allez, on y va maintenant. Attendez-moi! Je croyais que tu voulais faire la grasse matinée, moi. Ben non. Allez. Tu viendras nous rejoindre au champ après? Oui, dès que j'en aurai fini du conseil de région. D'accord. Allez, au revoir. À tout à l'heure. Allez. À bientôt. Salut. Ça va? On va à quel champ? Salut, papa. Okay. À plus tard. Qu'est-ce que c'est? Hein, Joseph? Oui. Ah. Bah, t'es pas en boisson? Non, hein? Je suis à la retraite. Ah. Et puis je l'ai bien mérité. Ouais. Bah, tu sais, Alexandre, alors lui, c'est le contraire. Lui, il faut travailler. S'il veut mourir à la tâche, pour moi. D'ailleurs, on voit où ça l'a mené, hein. Maurice est en panne. Il veut qu'on lui prête une moissonneuse. Maurice, il a besoin de personne pour se débrouiller. Ah bon? Oh, le chien, chien. Ça lui fait combien maintenant? Oh, dans les 15 ans. Ah. Eh ben, il est comme nous, il vieillit. Pas toi. Tu n'as pas changé. Parce que ce que je dis quand je me regarde dans la glace. Au fond de toi, t'es toujours la même. Comme quand c'était le bon temps. Ah, tiens, à propos de beau temps, j'y pensais cette nuit.
Là, pas à nous, idiots. Hein? Non, je pensais que pendant l'occupation, tu te souviens? Bon, Alexandre et toi, vous faisiez du bon travail. Je voudrais savoir où est-ce que vous cachiez les cadavres des boches que vous aviez estourbés. Hein? Eh ben, l'important, c'est qu'on les ait jamais retrouvés. Ah, mais tu peux le dire, parce que je veux le savoir, Joseph. Mais ça te regarde pas. Mais pourquoi? Dis-le-moi. Je veux savoir. Demande à Alexandre. Mais il est pas là, tu sais bien. Je t'en supplie, Joseph, dis-le-moi. Je veux le savoir. Pour moi, c'est une question d'honneur. Et pour la famille aussi, voilà. Une question d'honneur. Alors, tu me le dis, Joseph? Oui? Ah, oh. T'es réveillé. C'est toi, petit. Comment ça va? Comme un roi fainéant, mais je fais rien ici. T'as bonne mine, hein? Oh, mais bonne mine. T'es bien installé, là, ça va? Bah oui. Oh, ça va, oui, je suis bien installé, oui. Dis-moi. Oui? Ton accrochage avec... Odile, c'est pas trop dur. Quel accrochage? Vous avez mauvais caractère tous les deux. Toi aussi, tu t'es emporté. Puisqu'elle t'a dit sur Sylvie... J'ai toujours su qu'elle avait mal tourné, celle-là, alors. Bon, il faut que j'aille parce que j'opère toute la matinée, là. Dis donc, grand. Je veux rentrer à la Rose des Vents. Pourquoi? Tu as le temps, un peu de patience, t'es bien là. Ah oui, je suis bien, mais on n'est jamais si bien que chez soi. Alors, je vais retourner à la Rose des Vents. Bon, d'accord, on verra ça. Dis donc, Jacques, dis-le bien à ta femme. J'ai complètement oublié ce qu'elle m'a dit hier soir. Ce soir? Oui. Dis, ma reine. Oui? Regarde, ça va? Comment tu me trouves? T'es magnifique. Non, mais sans rire. Viens vite, mon chéri. Je crois qu'il est là et t'attend. Tu vois, il est déjà arrivé. C'est bon signe, ça, hein? Dis. Oui? Tu trouves que j'ai raison? Mon petit chéri, on n'a pas le droit de dire non à la vie tant qu'on est vivant. Allez, va. OK. Salut. À la mort de ma femme, je n'avais plus le goût de vivre. Bruno avait 2 ans. Alors je me suis dit que je n'avais pas le droit d'être égoïste. À ce moment-là, je me suis défoncé dans mon travail. Mon père m'a fait confiance pour transformer l'exploitation du domaine. Ça n'a pas été facile. J'avais besoin de m'abrutir, quoi. Bon, bien sûr, j'ai eu quelques aventures par-ci, par-là. Mais j'ai jamais réussi à m'attacher réellement. J'étais très... Enfin... Comme un anesthésié. Oui, j'avais tout reporté sur mon gosse. Et puis,
Puis je me suis intéressé à la politique. Alors là, je m'étais fait un plan de vie. Sympa, sans problème, tranquille. Puis tu es débarqué, sans prévenir. Nicole. Veux-tu m'épouser? Faut que je te dise la vérité. J'ai quelque chose de grave à te dire. Dis-moi. Je pourrais plus avoir d'enfants. Mais tu m'as fait peur. J'ai cru que tu allais dire non. Mais quelle importance. Et nous avons Bruno, et puis, si tu y tiens absolument, on peut toujours en adopter un. Oui, merveilleux. Je sais. Et tu oublies une chose. Quoi? Toi aussi. Allez. Et voilà. On le retrouvera jamais. Les ordures avec les ordures. Bon, bah, va chercher le reste du matériel. Ouais. Hein?
commencer par la musique, c'était vachement bien. Bruno, il faut que je te parle, sérieusement, viens. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je te parle, je te dis. Tu vas sûrement me parler de Nicole Châtel. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas sûrement me parler de Nicole Châtel. Tu es au courant? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu sais que grand-père et moi, on se fend bien la gueule le soir quand tu nous dis que tu vas au conseil de région ou je sais plus où, là. Alors, elle est sympa? Oui, oui, elle est sympa. Hein. Mais je suis bien content pour toi, papa. Attends. Écoute, je voulais te dire pour maman. Bon, elle est morte, j'avais 2 ans, je l'ai pas connue. Mais justement, alors, je voulais avoir ton opinion. C'est ton problème. Et puis, ça commence sérieusement à manquer de femmes ici, hein, tu trouves pas? Tu sais que tu es vachement super, toi. Mais écoute, c'est normal, je te ressemble. Bon, est-ce que je peux aller écouter ma musique maintenant? Oui, vas-y. Tu ne l'allumes pas, hein? Non, non. Le suivant, là? Oui, c'est ça. Plus la TVA, tu vois. Bon, je remarque la TVA. Il faut que tu comprennes un truc, hein. La gestion dans l'entreprise, c'est vital. Alors, je serai pas tout le temps là. Qui c'est? Monsieur Elvis Maubrand. Ah bon? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je sais rien. Tu vas voir? Hey Madeleine! Bonjour Bruno. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, je reviens des moissons avec papa, dis donc. On a bossé, hein. Il y avait du boulot cette année. Tu veux un jus d'orange? Ah oui, oui, je vais bien, ça serait sympa. Alors c'est vous, Nicole Châtel? Ben oui. Bruno Maugrand? Oui. Ça va bien? C'est drôlement bien installé, dis donc. Merci. Papa m'a parlé de vous. Alors voilà, je suis venu pour vous connaître. C'est vrai, vous êtes sympa, hein? C'est pas moqué de moi, hein? Vous travaillez, là? Oui, oui, on fait des comptes. Ah bon? Je vais y aller, alors. Non, non, mais vous ne dérangez pas, hein? Non, mais si, si. Allez! Merci, Madeleine, pour le jus d'orange, hein? Sans façon. Ah oui, j'oubliais. Je voulais vous dire, pour le mariage avec papa, je suis d'accord. Au revoir! Mais la solution, c'est que tu viennes à Paris et t'habites chez moi, c'est tout. Non, mais ça va pas. Non, et puis c'est moi le docteur, donc tu dois m'écouter. Alors tu viens à Paris et tu habites chez moi. Mais je viens pas à Paris. Bah si. Bah si, puis regarde, je suis sûr. Tiens, regarde là, je suis sûr que ça fera plaisir à Angelina. Non, arrête. Ah si, si, si. Taisez-vous. Et je peux dire un mot? Puisqu'il faut parfois se taire. Avant que vous montiez sur vos grands chevaux, je t'entends. Je suis très calme. Sylvie ne peut pas rester éternellement à la Rose des Vents, voilà. Il a raison. Ben, la raison, c'est qu'il faut qu'elle retrouve son indépendance. Ben, elle est libre. Je la retiens pas prisonnière. Oui, ben, enfin, elle exerçait avant un métier qui lui rapportait beaucoup d'argent. Alors Sylvie, tu lui as tout dit. Tout. C'est pas docteur, vous auriez dû être, mais confesseur. Oh, puis écoutez, moi, je comprends plus rien, tout ça me dépasse, c'est très compliqué. Alors, vous vous débrouillez tous les deux, voilà. Où tu vas? Occupez de mes lapins, ça me soulagera. Madame Gouillette! Madame Gouillette! De Carville s'est tiré. Non! Si! Je peux entrer? Oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Oui. Les ouvriers étaient venus après les congés pour reprendre le travail et ils ont trouvé les huissiers. Pendant les vacances, De Carville s'était tiré à l'étranger. À l'étranger? Oui, à l'étranger. Et il laisse un trou terrible. Alors, les huissiers, les polyvalents, la comptabilité double, et tout, et tout.
Bref, il est parti avec le pognon et il laisse tout le monde dans la merde. Quel salopard. Ah oui, salopard, vous l'avez dit. 37 ouvriers à la rue, vous vous rendez compte? 37 ouvriers à la rue. Catastrophe. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Catastrophe. Je sais pas, je sais pas. Il faut faire quelque chose, Jean. Je cherche. Ah oui, mais cherchez, mon ami. Je t'ai cueilli ça. J'espère que tu m'as préparé un bon dîner. Eh non, j'avais pas le cœur. Quoi? Tu n'es pas la dernière. Non. Yénard vient nous enlever Sylvie. Yénard? Oui. Allez, va te laver, t'es sale comme un panier. Et dépêche-toi, parce qu'on va la fêter quand même, la fin de la moisson. J'ai tout préparé. Dis donc, pendant que j'y suis là. Et si on l'invitait à dîner? Qui ça? Le Saint-Christophe. Hein? Oh, c'est pour toi. C'est lui. Moi, je ferme la basse-cour. Merci, toi. Ah non, c'est vrai, vous l'avez beaucoup aidé. Ou... C'est vrai, oui. J'ai toujours été. Ah non, j'ai toujours été un Saint-Christophe pour elle. J'aurais été son ange gardien. Et comme vous aussi, d'ailleurs. Pardon. Pardon, pardon. Et toi aussi. Hey, pardon. Don. Je dis toi aussi, t'as été son ange gardien. Lâche. Et assieds-toi. Ouais. Moi ça. Et puis il faut arrêter de la considérer comme une handicapée, comme une assistée. Hein. Elle est grande. Faut qu'elle se prenne en charge. Elle-même. Sinon elle s'en sortira pas. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai une amie qui tient une agence immobilière et elle se propose de m'engager. Où ça? À Paris. À Paris. Non mais t'entends ça, Maurice? À Paris. C'est de la remettre dans la gueule du loup, c'est dangereux. Tout est dangereux, le monde est dangereux, la vie est dangereuse. Et la rose des vents, elle est dangereuse. Hein. Ah bon? Ouais, excusez-moi, bonsoir. Ah bah d'accord. Tu restes là, Sylvie. Pas dangereuse. Oui. Tu restes là. Bon, donne-moi à boire. Oh! Tu pars en week-end? Non, non. Mon remplacement est terminé, je rentre à Paris. Ouais. T'as un autre remplacement? Ouais. Pourquoi tu t'installes pas à ton compte? Le cabinet de médecin, ça rapporte bien, ça. Parce que l'argent, je m'en fous. Ah, pourquoi tu fais ce métier, alors? Angelina l'a dit, je suis un Saint-Christophe. Ouais. Bah, mets-toi médecin sans frontières. Bah, c'est déjà fait. À Fleurimont, je me suis reposé, j'ai bien récupéré, et puis dans 3 mois, je repars. Alors Sylvie peut pas compter sur toi. Il n'y a jamais rien eu entre Sylvie et moi, il n'y a rien, il n'y aura jamais rien. Alors qu'est-ce que t'attends d'elle? Et qu'elle vive, c'est tout. Je te préviens, Lienard. Si tu fais du mal à Sylvie, moi je te rattraperai pas. Et moi je te préviens, si vous continuez à la laisser enfermée ici, c'est elle qui se rattrapera. Allez. Salut, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit, la rose des vents, elle est dangereuse pour toi aussi. Dormir. Et
qu'est-ce qu'on va faire si Nicole nous laisse tomber? Tu la remplaceras. Je connais rien à la gestion. Mais elle t'expliquera, tu n'es pas plus bête qu'une autre. Hein? Tu crois? Mais oui, mais oui. Remarque, c'est vrai, j'ai toujours fait des complexes vis-à-vis de Nicole. Après tout, si je pouvais me prouver que je vaux quelque chose, ce serait bien. Puis à toi aussi. Ça va être dur. Non. Oh, tu sens. Qu'est-ce qui bouge, sinon? C'est parce que t'es agité. C'est là. Ah ouais, t'as changé un petit pied, là. Allez, calme-toi, hein. Tu veux un petit verre d'eau? Ouais. Prends un petit verre d'eau. Il est 3h, écoute, allez, faut que tu dors. Hein? Et oui. Tu sais ce que je pense? Là, maintenant, on a 2 enfants. C'est Véronique et puis la Grasser. Dans 2 mois, on aura un 3e. Petit garçon. T'as 5 minutes de retard, toi. T'avais de ton panier? Pas du tout, j'ai crevé. Et mon journal? Bah, y en a pas. Y en a pas? Oh, bah alors là, ma journée est gâchée, moi. C'est pas vrai. Je vous faisais marcher. Sans les nouvelles de mon pays, moi, je suis perdu, moi. Allez, bonne journée. Mais merci, toi aussi. Bah. Au revoir. Merci, au revoir. Alors... Quoi? Ça alors? Bah, en admettant que. Qu'on soit d'accord pour que tu partes, bah, oui. T'as tout ton temps, non? Tiens, voilà Maurice. Ah! Vraie révolution dans le village. Ah bon? Ouais. Si De Carville était encore là, je donnerais pas cher de sa peau. Tiens, tu iras. De Carville. Salut, hein. Il a toujours voulu péter plus haut qu'il a le derrière, celui-là. J'ai jamais pu le supporter. Alexandre non plus, d'ailleurs. Enfin, ça me regarde pas, hein. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Téléphone. Eh oui, le téléphone. Bon. Tiens. Allez, petit coup de main. Pareil qu'on mange des haricots verts ce soir. Bon, je te dis ça. C'est pas comme ça, une intuition. Ouais. Une intuition diabolique. Hein. Ah bah, dis donc, c'est pour Wiki, hein. Ah, tu vois qu'il se passe ici des choses, il n'y a pas qu'à Paris. C'est Alexandre. Il y a eu le journal, il débarque. Merde. Et il débarque quand? Ben là maintenant, là, là-bas, cet après-midi, je sais pas moi. Maintenant? Bah oui. Alors, il va falloir que tu décalies à toute vitesse. Bon, on y va, hein. Oh là là. Allez, aider ta sœur. Oui, je vais t'aider. T'as beaucoup de choses à emmener? Non, t'as jamais dit ça. Oh là 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 là. Oh. C'est pas possible, ça on peut jamais être tranquille et... Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai pas mangé tout ça. Attends, je vais te laisser un peu d'argent. Non, 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 mon Lina m'en a donné. T'es sûr, hein? Oui, oui, je suis sûr. Là, je vais prendre ton sac. Ça va aller? Oui. De manière, t'as confiance en Lina. Ça va me manquer, tu sais. Ouais, moi aussi. De toute façon, tu t'inquiètes pas, je suis gonflée à bloc et puis je te tiens au courant. Hein? C'est sûr, hein? Oui.
Non, il est à quelle heure qu'on prend? 19h05. Bah dis donc, c'est le tien. Vite. Et il le sent. Oh. En train. Bon, ils auraient pas pu t'accompagner en voiture. Oh là, j'ai filé à l'anglaise. Voilà. Bah tiens, donne-moi. Non, 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 pas question, mais je suis plus moribond. Comment tu me trouves, hein? Ça pourrait être pire. Hein? Et comment ça réagit pour l'usine? Yvan ne t'a pas téléphoné? Mais bien sûr que si. Eh ben, pourquoi tu me le demandes? De toute façon, hein, que tu sois revenu ou pas, tu pourras rien, les carottes sont cuites. Oui, mais c'est ce qu'on verra. Ah, j'ai une nouvelle à t'annoncer au sujet de Maurice. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Figure-toi, en sortant de la gare, je l'ai aperçu bras dessus, bras dessous, avec une jeune fille, tu sais, avec des lunettes noires, un foulard, genre actrice. Et pourquoi tu m'as pas dit qu'il fréquentait? Hein? Mais pourquoi tu ris? Hein? Comme ça. Comment tu vas? Ça va? Très bien. Toi? Salut. Ouais, ça va. T'as vu, on vient de me la livrer. On se refuse rien. Et il y a le téléphone à l'intérieur. Tiens, on va être opérationnel au maxi. Et les contrats, ça tombe? 800 hectares. Chapeau. Hein. Vous commencez quand? Ben, on commence en octobre, après les récoltes. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Oh, superbe. Avec le soleil. Ouais. Alors, il paraît que le beau-père est rentré. Ouais. Le guide de l'usine, il parle plus que de ça. Marc, pendant ce temps-là, il me fout la paix. Ça m'étonnerait. Ouais, je t'assure. Hier soir, je lui ai même parlé de nous lancer dans la culture hybride. Mmh. Il a pas dit non. Incroyable, non? Méfie-toi du retour de bâton, hein. Parce que le beau-père cédera jamais la place. Hein? Mmh. Toi, si tu nous avais suivis quand on s'est tiré, Madeleine et moi, bah maintenant, on serait associés. J'avais pas un rond. Ce serait débrouillé. Non, non. Il y avait Nicole. Ouais. Faut dire qu'elle nous a donné un sacré coup de main. Sans elle... Elle nous manquera, hein. Comment ça? Bah, elle va rester dans la Grasserre, mais... Elle va plus travailler avec nous. Ah bon? Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle se remarie. Se remarie? Hein? Avec mon grand? Oui. T'as vu le téléphone? Hein? Le téléphone? Ah ouais, super. Bon, bah faut pas que je m'endorme, moi. Hein? Ouais. Ok? Ciao. Viens dîner un de ces soirs, hein? Ouais. En résumé, la situation n'est pas brillante. Hein. De Carville est parti à l'étranger, alors maintenant, pour le récupérer, les caisses de l'usine sont vides, il n'y a pas moyen de payer les ouvriers,
Et le syndic m'a dit, pas question de la rouvrir, l'usine. Hein. Pas question. Alors, ils vont faire vendre les machines aux enchères. Pour rassurer les créanciers. Un petit peu, en tout cas. Voilà. Vous en savez autant que moi. Ah, c'est voilà la situation. Tu disais quelque chose? Je disais que ce de Carville est un voyou. Oui, mais surtout si on pense aux ouvriers, c'est... Oui, oh, les ouvriers. Il n'y a pas qu'eux qui les épluent. Ah bon? Mais il y a moi. Ah, je savais pas. Ben oui. Et j'y laisse une grosse somme. Ah bon? Ben oui, de Carville et moi, on avait sympathisé. Depuis que tu es parti, il m'a fait part de ses soucis, de ses découvertes à la banque. Alors, j'ai fini par lui proposer de le dépanner. C'est normal. Ah, c'est normal. L'amitié, ça, c'est sacré. En échange d'une reconnaissance de dette, bien entendu. Oui, oui, oui. Il y a l'amitié, mais quand même, il faut prendre ses précautions. Alors, maintenant, alors que tu es le bec dans l'eau. Complètement. Ah, c'est de Carville, quelle ordure, quelle ordure! Mais c'est une ordure! Oui, oh, j'entends bien, c'est une ordure, mais il est pas le seul, non? Non, parce que toi aussi, nous, hein? Quoi? Mais tu as rien compris, Alexandre? Non, je... Non, mais moi, je lui ai rendu service! J'entends bien, oui. Mais lui aussi, oui. Oui, je sais ce qui s'est passé. J'étais malade, alors tu t'es dit, le vieil Alexandre va casser sa pipe, alors c'est le moment de devenir maire. Alors tu allais le trouver et tu lui as dit si vous pouviez m'aider, un petit coup de main pour les élections. Et tu as dit, moi je veux bien, mais vous aussi, il faudra me rendre service, il faudra y aller il faudra mettre un peu du tien, toi aussi. Tu as dit non, vous étiez à toi. Et alors malheureusement, il est parti. Et alors maintenant, tu en es de ton pognon. Et radin comme tu es. Tu vas être malade, hein. C'est vrai, je me demande si tu vas pas faire une jaunisse. Il va faire une jaunisse, peut-être, non? Je sais pas, enfin, il y a quand même une justice. Hein? Quoi? Merci, Alexandre. Oh non, faut pas me remercier. Merci. Non. Oh, le pauvre. Alors là, pour une exécution, c'est une exécution. Bravo, Alexandre, t'as été épatant. Une jeunesse, il va en faire. Ah, il n'a pas encore mère, hein. Ah, ça fait plaisir de reprendre le harnais, ma petite Yvonne. Heureusement, j'ai plus d'autre chose. Maintenant, on va au resto, après on file en boîte, c'est pas tous les jours samedi. Sans moi, je suis crevé. T'as tort, parce que la petite cousine de ma femme, eh ben, elle te trouve à son goût. Mais c'est un joli petit lot, non? Vu ça? Non, oui, elle est super. Allez. Non, écoute, non, franchement, je suis crevé, je rentre. T'es crevé, non, mais tu sais, tu deviens un mauvais garçon. Oui. Enfin, okay. Je veux dire, tu deviens pas un mauvais garçon, tu deviens un vieux garçon. Okay. Salut, on se téléphone? On s'appelle? Non, mais je rêve. Et Maurice, non, oh. Et tu me laisses avec les deux nanas? Et c'est ça. Eh ben j'y vais. Bah, ok, on y va. Eh ben on y va. On y va parce que lui, il est crevé, j'y pense pas, je le reconnais. Tiens. C'est Nicole ça. Vous voulez un coup de main? Pardon? Vous voulez un coup de main? Ah oui, je veux bien, merci. J'arrive pas à changer. Oui. Ça va? Oui. Bah tu tombes à pic. Bah j'ai l'impression, oui. T'as crevé? Ouais. Et tu sais pas faire ça toute seule? Non, je sais pas faire ça toute seule. Eh ben heureusement je passais par là. Hein. Hop. T'as été au cinéma? Ah ouais, j'en reviens. Tu me la remettras, hein? Ouais. Les ordres sont confiancés maintenant? Il a un congrès. Ouais. C'est pour ça que j'en profite pour déménager. Pour emménager chez lui, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu perds pas le nord, toi, hein?
Je veux dire, tu fais la belle affaire, là. Ah oui. Ah oui. Très belle affaire. Et le gosse, comment il prend ça, lui? Très, très bien. Eh ben, tout est parfait, alors. Hein? Tu fais souvent le coup de la panne, comme ça? Arrête. Non, mais c'est que c'est dangereux, hein. Vas-y, vite. Voilà. La voiture de Madame Maugrand est avancée. Je te remercie. Moi, sincèrement, tu l'aimes? Ça t'intéresse? Ça? Tu te rappelles la dernière fois dans la voiture? Non! Oh. Ça t'a quand même marqué, on dirait. C'est pour m'emmerder que tu te remaries avec Maugrand? Je te pardonnerai jamais. Je te pardonnerai jamais. Au cinéma, là? T'en veux une autre? À gauche. Non? Bon. En tout cas, bravo, hein, c'est... C'est beau, l'amour. Y a pas à dire, c'est beau. Allez, bonsoir. Merci quand même, hein. Ça va pas? Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Quelle contraction là? Elle est folle? Elle est folle? Oh putain! Bouge pas, bouge pas! T'as très mal là? On va y aller tout de suite. Je t'ai interdit de remettre les clés ici. Je viens chercher Angelina. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Et tu as entendu? Allez, dehors, je te dis! Angelina! Ah non, ça va pas, non! Dehors! Angelina! Angelina, Madeleine va coucher. Ah, c'était pour vous dans un mois et demi. Non, non, mais c'est maintenant, elle te réclame. Mais bah, Nicole s'en occupe. Bon, t'as pas compris, alors? Je t'ai dit dehors! Vite, 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 dépêche-toi. Mais où tu vas, toi? Oh, Alexandre! Elle te réclame. Elle te réclame. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Hein? Et rien, je te dis. Viens le voir. C'est un petit garçon. Comment voulez-vous qu'on l'appelle? Je ne sais pas. Mais si, on voudrait que ce soit toi qui décide comment on va l'appeler. Eh bien, il va s'appeler Alexandre. Hein? Alexandre? Bonjour, monsieur Alexandre. Alexandre. Pas y arriver avec les chambres. Mais avec moi, les syndicats, j'ai cru. Mais c'est trop bon. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai fini de déchaumer à l'argilière. Mais pourquoi t'as pas commencé l'autre? Je vais voir Madeleine à la maternité. Ah bon? Moi, j'ai rendez-vous avec le syndic de famille de l'usine. Tu viens pas avec moi, là? Non. Papa? Quoi? On n'a pas marre de faire la guerre? C'est pas moi qui l'ai déclaré. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va lui raconter à ce... Mais je sais pas. Ah.
minutes 36. Ouais, T'as saucisson? Hein? Non. Non. T'as vu? Ah, j'ai vu. Y'a pas de pain? Bah, j'ai oublié d'en acheter. Ah, il est temps qu'Angelina rapplique parce que moi. Ouais, bah faut quelqu'un pour garder Véronique. Faire la bouffe à Gérard. Parce que tu veux pas qu'il revienne. Oui, et encore moins aujourd'hui qu'hier. Hein. Toutes les terres qui m'intéressaient, le saligaume les a soufflées. Ça, je t'avais prévenu, hein. Fallait décider plus vite. Oui. Les conseillers sont pas les payeurs. Ouais, c'est possible. Sache qu'au train où tu vas. Oui. Alors continue, oui. Tu veux pas te rendre compte que les temps ont changé? Aujourd'hui, un petit exploitant, s'il veut réussir, il faut qu'il s'adapte. Ah, la rengaine. Les cultures hybrides, le jardin potager. Avec tes malheureux hectares, c'est la seule solution. Sinon, tu peux mettre la clé sous la porte et la vendre ta rose des vents. À des Parisiens friqués qui en feront leur résidence secondaire. Des Parisiens friqués? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais dis donc, mais qu'est-ce qui te prend de vouloir me donner des conseils, toi? Mais tu t'es drôlement monté la tête pendant que j'étais à Orléans, hein? Tu te rends pas compte que ici, t'as rien. Sans moi, t'as rien du tout ici. Ouais. Les temps ont changé. Mais alors toi, par contre, t'as pas changé, hein? À toi, t'es toujours le même. Une carrière cycliste ratée, un mariage raté qui nous a mis dans les problèmes. Et maintenant, tu voudrais me donner des leçons ici, hein, pour mon exploitation? Ça va pas, non? Toi, t'as pas changé, hein. T'es parti pendant plus de 3 mois. Et t'imagines que rien n'a bougé ici? Que tout le monde est resté figé en attendant que tu reviennes, que tu donnes tes ordres? Oui. Alors, attends, quand je reviens, moi, je fais le ménage. Ah ouais. Oui, à la mairie, ici. Retour à la case départ. Ah oui, d'accord. J'imagine ta tête si t'étais rentré un jour plus tôt. Ouais. Oui. Un jour, un seul. Oui, oui. Oui, alors qu'est-ce qui serait arrivé? Rien, rien. Il serait peut-être tombé sur une autre case départ. C'est la petite Minette avec qui j'étais à la gare. C'est l'autre jour. C'est qui c'était? Ça me regarde pas. Ah si, mais je vais te le dire qui c'était. C'était Sylvie. Sylvie. Tu connais Sylvie, ta fille? Ah oui, parce que tu savais pas, elle est revenue ici. Elle s'est même installée ici pendant que t'étais parti. Allez, je te laisse. Mon remplacement est terminé. Tiens, je te fais même cadeau de ce que tu me dois. Je te laisse seul. Tout seul. Et tu crèveras tout seul. Salut.